sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve après 2 semaines de petite pause puisque je suis partie une semaine en vacances où j'ai pas du tout fait de colo, j'ai pas pris de colo. J'ai préféré me faire une petite pause et j'ai apporté avec moi un petit livre que Maëva, donc Colorisera, avait présenté, donc celui-ci. J'ai bientôt fini, il me reste à peine une centaine de pages, donc faut que je finisse, j'ai trop hâte. Et du coup, je voulais faire un petit vlog reprise, reprise colo, puisque du coup, je vous avoue, ça m'a manqué, mais pas tant que ça. Je sais pas si c'est parce que je suis dans une phase où voilà, j'ai envie de profiter de l'extérieur ou quoi, okay, je sais pas. Mais ça m'a pas manqué tant que ça, du coup, j'ai eu un peu de mal à reprendre mes crayons. Donc là, je vous prends, on est lundi, le combien? Je sais plus. Je suis encore en vacances en fait, mais chez moi du coup. Donc lundi, bah, je vous mettrai la date. Et j'ai seulement repris mes feutres aujourd'hui avec un petit colo que je m'étais sélectionné un peu avant de partir. Donc celui-ci, voilà. Donc je pense que je vais faire une base de feutre alcool partout. Et je viendrai ombrer au crayon. Je vais essayer de rajouter un petit fond au coup, guess. Je sais pas trop. Mais voilà. Et sinon, pour les colos à venir, j'ai prévu d'aller dans le Sarah Richter avec Julie. Et il y a Lady Boubou et Danou qui nous suit. On va faire cette page-là. Voilà, pour l'entamer ensemble, pour se motiver. Voilà. Donc moi, je vais la faire en mode Daenerys Targaryen. Donc un blond bien platine. Et je vais essayer de reprendre un peu le portrait de l'actrice en fait dans la série, donc Game of Thrones si vous ne connaissez pas. Donc voilà. Et je me suis prévu également un petit colo dans le épaule, ça fait longtemps que je n'étais pas allée dedans. Et donc je vous l'avais montré dans la vidéo des colos terminés, mais voilà, c'est celui-ci. Donc je vais essayer de faire déjà ceux-là dans la semaine, ce sera pas mal si j'arrive à faire ces trois-là parce que du coup... Si je reprends mon livre de suivi, enfin mon cahier de suivi, j'ai pas fait beaucoup de colos pour l'instant sur le mois d'août. J'ai fait 2 colos. Dont j'ai fait le Mystique Misfit et j'ai fait un chibi. Donc voilà, on est mi-août et j'ai fait 2 colos. Donc bon, c'est pas grave, je vais pas me mettre de pression de toute manière, ça sert à rien. En tous les cas, je vais continuer mon petit Year of Witches, puis je vous montrerai mon avancée, et voilà. On se retrouve, on est mercredi 16 août, j'ai pas du tout colo hier, en revanche j'ai fait aujourd'hui une reprise en douceur. Donc j'avais déjà commencé ce colo, je vous avais montré avec quelques bases de feutre à alcool. J'ai continué toujours au feutre à alcool et j'ai commencé à dessiner un petit peu mon fond à l'aquarelle. Donc c'est quelque chose que je fais souvent, ce genre de fond là. J'en ai fait une petite vidéo d'ailleurs si ça vous intéresse, c'est le même principe. Hein. Je vous la mettrai en petit i. Et du coup je voulais vous montrer, ça m'a été demandé, de vous montrer du coup comment je faisais l'ombrage à l'aquarelle sur une base de feutre à alcool. Alors je voulais pas faire de tuto parce que c'est vraiment super rapide à faire. Donc ma base de feutre à alcool est faite. Et moi pour l'ombrage j'utilise soit ma palette d'aquarelle Cotman de Winsor & Newton parce qu'il y a pas mal de couleurs. Ou sinon si je veux quelque chose de très foncé j'opte pour la Bocundo. Voilà, qui se... compose de ces couleurs là très foncées, elles sont vraiment très utiles, j'utilise beaucoup dans les spooky. Mais donc là comme c'est pas quelque chose de très sombre que je veux faire, je vais d'abord utiliser ma palette Winsor & Newton, je vais voir si je trouve une couleur qui me plaît. Et vous allez voir c'est vraiment très simple à faire, très rapide. Donc pour ça moi j'utilise un pinceau à réservoir d'eau parce que je veux vraiment pas mettre beaucoup d'eau. L'idée c'est quand même de qu'il y ait de la couleur. Je ne veux pas un aspect d'aquarelle, je veux juste un aspect ombragé. Et donc je vais ombrer donc, la partie un peu bleutée. J'ai peur de ne pas trouver dans mon aquarelle Cotman. Je vais essayer avec le 15. Donc c'est un violet. Hop. Donc je prélève de ma couleur, donc j'ai pris un violet foncé
Et l'idée, bah, c'est de refaire les ombres un peu comme au crayon, sauf qu'elles sont moins précises en fait. Donc par exemple, sur le rideau là, et bah, je vais partir de là. Je mets bien à plat mon pinceau, comme ça, là où il n'y a pas beaucoup de pigment, bah, ça fait un léger dégradé. Si je dépasse, pas grave, de toute façon, je dépasse tout le temps. Je corrigerai ça. Et voilà, tout simplement, je vais faire quelque chose comme ça. Je vais essayer de corriger ma bêtise. Façon, je mettrai un washi. Quand il y a des plis un peu plus, comment dire, direct, bah, j'hésite pas à faire des ombres un peu plus marquées. Hein. Voilà, comme ceci. Et quand c'est vraiment diffus, bah, j'hésite pas à utiliser l'entièreté de mon pinceau pour avoir quelque chose de plus dilué. C'est ça qui est chouette avec l'aquarelle, c'est que bah, déjà, vous n'avez pas besoin de forcer sur votre main parce que le crayon, parfois on est amené à vraiment forcer, ça peut faire mal. Et là, bah, c'est chill quoi. C'est vraiment quelque chose de très chill. Donc là, il y a un petit pli, hop. Et puis je vais faire ça bah, tout le long. Hein. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Hop. Là, si je vois que c'est trop net, j'essuie mon pinceau et puis je rattrape avec de l'eau. Là, il y a deux petits traits, voilà. Je vais faire quelque chose comme ça, d'assez net. Et après, bah, vous pouvez laisser sécher et revenir travailler si ça ne vous convient pas. Enfin, remettre de l'aquarelle, etc. quoi. C'est un peu. Enfin, on peut venir refaire des retouches un peu à l'infini, quoi. Bon, bien sûr, faire attention au papier, pas mettre trop d'eau. Là, c'est un papier Amazon qui est relativement fin, donc je fais attention. Mais autrement. Il n'y a pas de. Il n'y a vraiment pas de mystère. Voilà. Par exemple, si je prends le cas de son chapeau, là, on va prendre le vert. Prendre le 27. Tac. Et ben, je vais venir faire une ombre ici. Une ombre sur le côté un peu plus diffuse. Je vous zoome un peu. Voilà. Donc, j'essuie mon pinceau et là, je viens. Voilà, tout simplement. Je reprends. Et en fait, ce qui est chouette avec la base de feutre à alcool, pardon, c'est que j'ai l'impression que l'aquarelle est peut-être absorbée moins rapidement. Et le pigment également. Et du coup, elle se travaille plus facilement, je trouve. Après, c'est peut-être une impression, mais voilà, je trouvais que c'était beaucoup plus simple à travailler sur une base de feutre à alcool. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous voulez appliquer cette méthode. Mais vous voyez, ça permet de faire un ombrage rapide. Il y a quand même le côté aquarelle qui ressort, hein, parce que ça fait assez diffus. Mais c'est assez chill, quoi. Enfin, moi, j'aime bien. Si je fais un peu le bois, là. Alors là, par contre, je vais prendre un Bokuundo. Je vais prendre le brownish black, parce que il est parfait pour le bois. C'est un marron qui est très foncé. Et ben là, je vais venir refaire des rainures. Voilà. Alors je vais en faire des plus marquées, d'autres un peu moins, pour rappeler un peu le bois. Voilà. En dessous, je vais faire un peu plus foncé parce que je vais mettre une ombre. Voilà. Au niveau des bouteilles, pareil, je vais mettre une petite ombre. Après, voilà, j'essaye de rappeler un peu le bois. Voilà, vous voyez, ça fait quelque chose de diffus. Alors, c'est un style, hein. C'est pas quelque chose de précis, c'est pas quelque chose de réaliste, mais moi je trouve que ça donne un certain style au colo et c'est surtout super détente à faire. Donc voilà, je vous mets en musique juste histoire de finir quelques éléments comme ça pour que vous puissiez voir. Et puis voilà.
Hello, je vous reprends, on est jeudi 17 août. Donc hier j'ai pu finir mon colo, le Yerawichis. Donc vous le verrez dans la vidéo des colos terminés du mois d'août. Entre-temps, ce matin, je viens de passer à Action et donc je voulais vous montrer un petit peu mes petites trouvailles. Donc c'est essentiellement scrap. J'ai pas acheté de feutre ni quoi aux caisses. Donc je me suis pris des tampons. Voilà. Première fois que j'achète ça. Je n'avais pas du tout, donc c'est une grande découverte. Je pense pas que ce soit très compliqué. Mais comme j'ai pas mal d'encre distress, je pense que ça va être cool. Donc ça se présente comme ça. Si j'arrive à tout sortir, je pense que je les enlèverai de l'emballage, je les mettrai dans une petite boîte. Ok, ah, il y en a pas mal quand même, hein. Donc c'était 2,49 € je crois, de mémoire. Bon, j'ai déchiré la boîte, ça m'a gonflé, j'arrivais pas à les sortir. Donc voilà comment ça se présente. Donc je vais vous les mettre du coup dans l'autre sens, dans le côté bois. Ils sont vraiment très jolis. Alors j'avoue, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était les écritures. Mais pour le reste, c'est sympa. Donc on a là, c'est le thème de savane, je pense. Donc palmier, l'appareil photo était sympa aussi. Là, on a des jolies écritures. New adventure and new memories. Et puis après, on a des animaux. Et puis fleurs, papillons. Voilà pour celui-ci. Et celui-ci est un peu plus cute. Un peu plus love, on va dire. Où est mon ciseau? Hop. Voilà, donc pour le deuxième set, donc on a pareil des petites écritures. Donc ça c'est super sympa. Ensuite on a voilà, un peu de nature, c'était cool aussi je trouvais. Et puis voilà, des choses très très mimi. Donc je pense que dans les colos ça va faire sympa. Et même je fais un petit peu de collage en ce moment. Donc je pense que je vais pouvoir comment dire, bien les utiliser. Donc voilà pour ça, il faut que je leur trouve une petite boîte. Mais bon, je pense que ça devrait être plutôt facile. J'ai pas mal de boîtes. Hop, donc ça c'est pour les deux premiers achats. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc, je les ai vus sur la chaîne de Julie Nueva. Elle avait fait, quand elle a fait son vlog, je crois que c'était le dernier vlog, elle en parlait. Et du coup, voilà, je me suis laissée tenter. J'ai juste pris. Alors, ils mettent Midnight Black et Bright Pearl. Pour moi, là, c'est. Ils mettent marron, mais pour moi, c'est plus gris en fonction de la couleur. Donc, il y avait du rose, il y avait du bleu. Mais j'avoue que le noir me tentait plus. Donc voilà. Je ne sais pas trop si ça s'applique comme un feutre acrylique. Ouais, je pense qu'il faut l'activer. Je ne vais pas l'activer de suite parce que j'ai pas envie qu'il sèche. Je l'activerai une fois que je l'utiliserai. Donc vous voyez en fait, voilà, c'est comme un Posca. Mais si ça vous intéresse de voir la couleur que ça fait, je vous invite à aller voir le vlog de Julie, à les attester. Et franchement, ça avait l'air d'être trop beau. Donc voilà, trop contente. Donc ça, c'était 1 € et quelques, je crois. Ensuite, côté stickers. Donc les planches de stickers, il n'y en avait pas de nouvelles par rapport à ce que j'ai. Mais du coup, j'ai trouvé ce petit carnet. Alors, il y en avait plusieurs, mais celui-là était plus joli. Les autres ne me plaisaient pas trop. Et en fait, voilà, c'est un carnet de stickers.
sur un thème. Donc, ce qui m'a plu, c'est le fait qu'il y ait des lettres et pas mal de petites notes comme ça. Enfin, voilà, je trouvais ça sympa. Donc, ça, c'est plus sur le thème de la rentrée. Je sais pas si je vais tout utiliser, mais pour le prix, je trouvais ça chouette. Enfin, voilà, il y a des petites choses comme ça sympas qu'on n'a pas ailleurs. Et ça m'a bien plu. Donc, je vous le montre rapidement. Là, on a une partie un peu plus rosée. Voilà. Donc, il y avait deux autres, comment dire, blocs. Mais il ne me plaisait pas. Je ne les trouvais pas forcément très beaux. Donc, j'ai préféré me cantonner qu'à celui-ci. Donc, il y en a vraiment pas mal, hein. Vous voyez, il y a des trucs sympas comme ça. J'aime bien. Là, ça brille un peu. Je sais pas si vous allez voir, c'est un peu chromé. Voilà, on le voit en fait. Et donc voilà. Il y en a pas mal, hein, mine de rien. Si j'arrive à tourner la page. Et voilà. Et donc, bah derrière, vous avez tout, en fait, toutes les planches. Comme ceci. Donc ce serait bien qu'ils en fassent sur d'autres thèmes, genre je sais pas, l'automne, Halloween, la magie, enfin voilà, tout ce qu'on aime quoi. Ce serait cool. Ensuite, j'ai pris du papier. J'ai pris celui-ci. Alors j'avais déjà pris celui qui est marbré bleu là. Il est rangé, je vais pas vous le sortir parce que c'est un peu le bazar. Je vais mettre 100 ans à le retrouver. Mais si vous passez à l'action et que vous voyez ces petits sets, il y a celui-ci, il y en a un autre un peu plus texturé mais que j'aimais pas trop, et un peu marbré en fait. Si j'arrive à ouvrir ça. Celui-là, je l'ai vu sur la chaîne de Laimiana et il m'a bien plu. Donc ce qui est chouette aussi, c'est que ce sont des petits papiers. Donc c'est facile à ranger et il y a plusieurs exemplaires. Voilà, il y en a trois de chaque à chaque fois. Et je les trouve très beaux. Enfin voilà, c'est. Ça s'intègre parfaitement, je pense, dans des colos ou dans du collage. C'est très joli. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Et ensuite, j'ai pris un grand que j'ai vu aussi sur la chaîne de Julie. Donc celui-ci, que je trouvais juste magnifique. En plus, j'en ai pas de papier dans ces tonalités-là. Donc je vous le montre rapidement. Donc ouais, c'est assez grand, donc je sais pas si ouais, ma caméra. Je vais essayer de vous reculer un peu. Voilà. Et donc voilà, il est comme ça. Je le trouvais vraiment très sympa. Très sympa. Y a moyen de faire des jolies choses. On peut récupérer en plus. Les petits éléments en découpant, hein, on peut faire plein de choses. Je trouve trop beau. Donc je suis ravie de l'avoir trouvé. J'avais peur en fait de ne pas le trouver quand j'ai vu que Julie l'avait pris. Je me suis dit mince, il faudrait peut-être que j'y aille aussi parce que ça part tellement vite ces choses-là que bon. Donc voilà pour la petite section achat. Cet après-midi, je vais commencer le Dunkelbunt en même temps que Julie sur son live. On va faire du coup un portrait ensemble. Et après, j'aimerais commencer du coup mon épaule. Donc voilà, je vous dis à très vite dans un prochain rush. Hello, je vous prends, on est vendredi 18 août, donc hier soir, pendant le live de Julie. J'ai commencé ce colo, voilà, donc qu'on fait avec Julie, Danou et Lady Boubou. Donc j'ai fait la peau aux Luminances, les cheveux au Light Fast ainsi que la tunique aussi. Et le fond, c'est de l'aquarelle Van Gogh, la crépuscule verte là. J'avoue, je suis plutôt contente. Je voulais partir sur, on va dire, le modèle de Daenerys Targaryen. Donc c'est pour ça que j'ai fait un blond platine. C'est la première fois que je faisais ce blond-là. Et du coup, je voulais vous montrer mon combo. Donc je l'ai fait au Light Face. J'ai pris le taupe, le Warm Grey, le champagne
Et j'ai pris le blanc des Luminances. Voilà. Donc ça, c'est le combo pour les cheveux. Je voulais absolument vous le montrer. Donc je suis assez contente du résultat. Il y a juste au niveau de la peau, là, j'aimerais retravailler un petit peu pour éviter que ça fasse trop marqué au niveau de la joue. Et voilà, donc je vais essayer de m'atteler à ça aujourd'hui. Et j'aimerais bien commencer aussi mon épaule. Donc comme ça me permettra d'avancer parce que du coup, comme je vous avais dit, pardon. Du coup, comme je vous avais dit, j'ai pas fait beaucoup de colo là pour le mois d'août. Bon, je me mets pas de pression, mais c'est vrai que ça me fait bizarre. Et là, j'ai vraiment envie de colo plein de choses. Donc voilà, j'ai même envie de faire un peu de Disney. Donc je sais pas trop encore ce que je vais faire après. Mais en tous les cas, je vais essayer d'avancer celui-ci aujourd'hui et mon épaule. Voilà. Je vous prends, on est samedi 19 août et ce sera le dernier rush de la semaine pour mon petit vlog reprise. Donc c'est vrai que là j'ai un peu de mal à me poser pour colo de grandes sessions. J'ai avancé un peu mon dunkle bunt, je vous montre. Je me suis occupée du bijou, bon, j'ai pas tout fait. Mais voilà, j'ai commencé à faire un petit peu le bijou de tête. Je voulais partir sur un effet assez cuivre peau de bête en fait, qui se termine par des ossements. Et j'avoue, je suis pas trop mécontente de mon combo. J'ai fait le fond, du coup, j'ai remis une couche. Et voilà, il me reste le reste à faire. Donc je sais pas combien de temps encore ça va me prendre, mais je vais me poser pour m'y mettre. Entre-temps, là, j'avais envie de faire un peu de collage. Vous en avez un petit peu parlé, j'ai commencé à faire un peu de collage pour me détendre. Donc j'avais fait celui-ci, je vous l'avais montré. Dernièrement, j'ai fait celui-ci, voilà, dans les tons un peu vintage. Je trouvais ça sympa. Donc j'ai utilisé mes papiers, là j'ai mis un peu de foil. Et voilà. Et du coup, là j'avais envie d'utiliser les nouveaux papiers que je me suis acheté à Action. Notamment, vous savez, un peu genre magie, divinatoire et compagnie. Du coup, voilà, j'ai sorti ça. J'ai sorti celui-ci qui est un peu brillant. Du noir, mes autocollants sur le thème de la magie. Et j'ai sorti mes washi, les derniers que j'ai achetés. Et je pensais prendre celui-ci. Et du coup, bah, je me suis dit pourquoi pas faire ça avec vous. Je pense que je vous mettrai un peu en musique parce que je vais pas parler tout le temps. Enfin, je pense pas. Donc là, je pars un peu à la one again. Ah oui, j'ai sorti aussi mon tampon. Celui-ci. Je vais essayer de mettre de l'encre blanche dessus, voir ce que ça donne. Bref, du coup, je voulais partir sur, dans un premier temps, faire des découpes là, de petites cases. Donc je voulais prendre une grande carte. J'aimais bien celle-ci. Donc, on va faire d'abord de la découpe. Donc moi j'ai un massicot que j'avais pris à Action il y a, je pense, un ou deux ans. Celui-ci, il est toujours aussi efficace. Donc je suis relativement contente du massicot d'Action, surtout pour le prix. Je ne sais pas s'ils le vendent encore. Mais s'ils le vendent et que vous en cherchez un pour faire voilà, des petits loisirs créatifs, et ben je vous le conseille. Voilà. Ensuite, j'ai pris cette planche-là avec plein de petites choses. Je pensais prendre le papillon et quelque chose de blanc. Donc, on va partir sur ça. C'est vrai qu'en ce moment, je suis très scrap. Je regarde énormément de choses sur Insta, sur le scrap. C'est quelque chose qui déjà me... Comment dire? Me détend. C'est super satisfaisant à regarder. Il y a un peu d'ASMR en plus. Alors, je sais pas si vous aimez. Moi, de base, j'aimais pas du tout. Mais là, sur ce thème-là, ça me dérange absolument pas. C'est au contraire très satisfaisant. Et du coup, je me suis mis à suivre pas mal de petits comptes, même des gros comptes hein, parfois. Si j'arrive à les retrouver, la dernière fois j'ai pas réussi à vous retrouver celui que je suivais. Je vous les mettrai en barre d'infos. Autrement, bah, je vous laisse farfouiller. Hein. Vous mettez avec les hashtags, parfois
on découvre aussi par nous-mêmes et c'est très bien aussi. Hop. Ah, la lune, elle est sympa aussi. Je vais prendre la lune. Et au dos, on a quoi? Ah oui. Hop. Donc là, pour la découpe, on est pas mal. Je vais couper un peu de celui-ci, mais je pense que je le ferai à la fin. Je vais d'abord placer mes petites découpes. Donc ça, c'est pareil. C'est un livre que j'ai pris à Action. Donc c'est que des feuilles blanches. Elles sont relativement épaisses. Voilà, c'est pour faire du dessin. Et je savais pas trop quoi en faire. Initialement, je voulais faire de la gouache dedans. Et en fait, ça s'est transformé en petit bouquin de collage. Et ça me plaît bien comme ça. Donc, je suis contente. Hop, si je mets ça comme ça. Je pense que je vais d'abord mettre un fond noir. Donc, je vais prendre ma feuille noire. Alors. Tac. Je vais la mettre en la déchirant. J'aime bien faire ça aussi. Plus ici. Donc ça, c'est pareil, c'est issu des blocs de feuilles de chez Action. En fait, quasiment tout ce que je vous montre là, c'est de chez Action. C'est vraiment idéal pour faire du loisir créatif pour pas cher. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de sites, hein, de scrap, mais... J'avais pas envie de mettre des 1000 et des 100 pour une activité comme celle-ci que, comment dire, pour moi quoi, enfin il n'y a pas de, c'est vraiment pour la détente, donc je me suis dit que c'était l'idéal. Hop, alors, voilà, et je voulais partir sur... chose comme ça. Voilà. Tac. Peut-être sympa. Je vais peut-être pas en mettre autant. Je vais déjà coller ça. Donc moi j'utilise une colle classique. Hein. J'ai pas de, vous savez, les rouleaux adhésifs, j'en ai pas. Mais je pense que quand je finirai cette colle, je regarderai si j'en trouve des pas trop chers à Action. Ce que j'aimerais bien aussi me procurer, c'est, vous savez, les cutters de précision. Parce que je me dis, des fois, dans les autocollants, notamment ceux d'Action avec les contours blancs, si on veut les retirer, ça peut être utile. Donc voilà. Je sais pas ce que j'ai fait, hein. Donc voilà, je pense que dans les vlogs futurs, je vous montrerai peut-être des petites sections collage comme ça. Je trouve ça sympa. Ça change un petit peu du colo. Et puis, je trouve ça hyper détente. Franchement, moi, j'aime trop. Souvent, c'est la Emiana qui montre beaucoup de choses sur le scrap en ce moment. Et j'avoue que j'aime beaucoup. Donc, j'ai dit celui-là. Et c'est super agréable à regarder. Donc voilà, ma nouvelle passion. Tac, je vais mettre mon washi. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Mettre ça comme ça. Pas grand chose. Et vous voyez, un cutter là dans ces moments là pour couper précisément, c'est pratique parce que moi je suis là avec mon gros ciseau et parfois bah, c'est un peu gênant, mais c'est pas grave. Hop, je vais sortir ça, je vais mettre une petite bande. Je pense que je vais prendre mon ciseau.
Sinon, vous, c'est quoi vos... À part le colo, bien sûr, si vous avez des passions comme ça qui vous sont apparues récemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est intéressant d'avoir plusieurs, comment dire, points de vue, plusieurs idées comme ça. Alors, là-dedans, j'avais vu ça. J'avais vu les petites étoiles. Faudrait que je la reprenne cette planche parce que je la trouve vraiment belle et je pense que je pourrais l'utiliser dans plusieurs en fait colos. Et ça m'embêterait de ne pas avoir de bah, tout ce que je veux quoi. Parce que c'est pareil, je crois qu'il y a des planches. Harry Potter, mais j'ai pas réussi à la trouver, donc bon, c'est pas très grave. Je pense que je vais prendre ça. Bon, je vais la mettre. Voilà. Tac, ici, j'ai le soleil là et la lune tout ça là, c'est très joli. Je vais en mettre. Je vais passer à mon tampon. Je vais couper juste là les. Je vais essayer de le coller celui-là parce qu'il me plaît bien. Et vous voyez, moi ce qui me plaît là, c'est que du coup, comme en ce moment j'ai un peu de mal à faire des grandes sessions colo, et eh bien là ça me permet voilà, de me détendre, de faire un peu autre chose, sortir des écrans. Et en peu de temps, en fait, j'arrive à faire quelque chose qui me plaît bien, quoi. Je vais mettre comme ça. Tac. Et maintenant, on va tenter le tampon. Alors, j'ai jamais fait. Première fois que je fais ça. Je pense que je vais tenter d'abord sur une feuille. Donc, je vais prendre mon encre Winsor & Newton. Et bah, je vais en mettre là-dessus. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, il me faut juste un pinceau. Tac. Alors, on va essayer de ne pas faire du dégât. Je pense que ça devrait marcher. Hein. Pas du tout. C'est très moche. Bon, moi, vous le savez, ne faites pas comme moi. J'ai bien fait de tester avant. Quoique, en fait, il faut en mettre, mais vraiment un chouï. Si je fais ça, ça ne devrait pas du tout. Et je vais en rajouter, mais un tout petit peu. Parce qu'en fait, je voulais vraiment me faire un truc blanc, mais j'ai pas d'encre blanche. Comme de distress. Ouais, ça a l'air de marcher un peu mieux. Bon, en tout cas, faites pas comme moi du coup. Ça fait un peu bizarre. Quoique. Ouais, faut moduler quoi. Faut moduler. Je vais pas en faire plus. Tac. Et je voulais prendre mon Posca doré si je le trouve. Quoi que je peux tester ça peut-être. Vous savez, c'est le glitter marqueur que j'ai pris. Je vais le tester. Oh, ça s'active plutôt rapidement. Hein. Ah ouais, c'est cool ça. Alors. Oh, ça marche plutôt bien. Hein. Je vous montrerai après de plus près les paillettes.
Et je voulais écrire magique. Où est-ce que je vais écrire? Je vais l'écrire là. Ah, j'aime bien. Contente de cet achat. Je monte les paillettes. Je sais pas si vous allez les voir. Voilà, vous voyez, ça brille bien. Hein. Donc c'est ça là, l'étoile. Et voilà ma petite page de collage. Bah écoutez, je suis plutôt contente, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc en l'espace de quoi? 15 minutes. Moi, ça me suffit amplement. J'ai pas besoin de plus. Faut pas que je me prenne la tête. Donc voilà, sur ce, je vais clôturer ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Moi, c'était une toute petite semaine colo. Je vous avoue que là, j'ai un peu de mal à colo, mais ça va venir. Et je vous fais plein de gros bisous. Puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!